Parfait, c'est vraiment très bien, vous avez bien travaillé. La réception va être superbe. La présidente sera très heureuse, surtout qu'elle ne s'attend pas à cette surprise. Bonjour Madame Saget, vous arrivez toujours à 18h? Mesdames, messieurs, on a un vrai problème. La présidente devait arriver ce soir à 18h, sauf qu'elle arrive à 15h, soit dans 30 minutes. On ne sera jamais prêt, hein. Faut qu'on gagne du temps. Et si on lui en faisait perdre? Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous? J'ai tellement hâte de voir les travaux d'aménagement de votre salle de réception. Oui, oui. Et puis, voir vos résidents également. Oui, on va commencer la visite par ici. Allez par ici? On va commencer la visite par ici. On y va. Je vous présente Gilberte, qui est la doyenne de notre établissement. Ça fait 5 années. 5 ans? Mais donc, vous avez plein de choses à me raconter. Par quoi je vais commencer? À 14 ans, je voulais être infirmière. Ben, j'ai une petite fille qui est infirmière et sa fille est infirmière. Alors, j'ai beaucoup y aller, vous voyez, chez mon petit livre, tout est marqué. On a fait le Niep, le Danube, le Rhin, le Rhône. Alors, vous en êtes où? Nous sommes bientôt prêts, il ne reste plus qu'à mettre la banderole et on pourra faire venir la présidente. Et vous, de votre côté? Gilbert est en train de lui faire son petit numéro. Et voilà mes oiseaux. Ce ne sont pas de vrais oiseaux, ils sont en plastique. Et pourquoi? Parce que comme ça, je ne nourris pas. C'est pas mal, hein? Tout se passe bien? Oui, oui. Bon, quand est-ce que vous me présentez cette salle de réception? Nous y arrivons, nous y arrivons. Ah, enfin. Par contre, je dois encore vous présenter quelqu'un. Gonzague de la Roche-Coudée, enchanté. Madame Saget, j'ai plein de photos à vous montrer. On va voir. On va voir, si vous avez le temps. La vie m'a emmené en Afrique, dans le nord de Cameroun. Moi, je chassais à balles les oiseaux. Tirer un éléphant ou un lion à 30 mètres, ça n'a aucun intérêt avec un gros fusil. Bon, pouf, puis c'est tout. Mon idée, c'était de remplir les murs des pavillons phénix et d'en mettre une certaine couche dans les combles. Bon. Et j'ai dû construire des meubles. Nous avons deux mots à vous dire. Oh,